Les compétences requises pour réussir à l'inspection générale sont, à mon sens, au nombre de 5. La première, c'est la curiosité. Curiosité vis-à-vis de métiers que vous ne connaissez peut-être pas, et la curiosité d'aller dans des pays que vous ne connaissez pas et des façons de travailler assez différentes. La rigueur, à mon sens, est également importante. La fiabilité des travaux est déterminante pour la qualité de la mission. La mobilité, l'adaptabilité, la capacité à se remettre en question, à sortir sa zone de confort est également une compétence requise, tout comme l'esprit d'équipe, car toutes les missions se font en équipe, des équipes qui changent à chaque fois. Et enfin, je finirai par l'humilité d'aller rencontrer des gens qui font un métier depuis 20, 25 ans, la plupart du temps très très bien, et vous leur demanderez de vous consacrer du temps pour vous apprendre ce métier, que vous puissiez le découvrir, et la position d'humilité vous sera essentielle.